te dérange pas. Allô? Allô, oui? Ah! Rebonsoir. Oui, elle vient de rentrer il y a à peine un quart d'heure. Oui, elle est dans son bain. Yes? C'est ton père. Oui, mais c'est si urgent que ça? Et puisque je vous dis que Marthe est dans son bain. Bon. Bon, je lui fais la commission. Il veut te parler tout de suite. J'ai fini, j'arrive. Elle arrive. Oui. Oui, laissez-lui le temps de se sécher. Oui. Comment? Quoi? Allô? Allô? Allô, monsieur Porquerolles? Allô, ça ne va pas? Vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe? Mais il était en train de me parler, il a eu comme une sorte de cri étouffé, puis plus rien. Allô? Allô, monsieur Porquerolles? On a peut-être coupé? Non, ça m'étonnerait, j'ai entendu un bruit comme si son appareil était tombé. Bon, il sait quand même de rappeler. C'est tes parents? Mais évidemment, il est presque 8 heures. Bah écoute, tu vois bien, il n'y a pas de tonalité. On doit être toujours en ligne. Donne. Allô? Allô, papa? Tu m'entends, papa? S'il a eu un malaise avec son cœur... Bah, il est tout de même pas seul. Alors pourquoi n'a-t-on pas raccroché pour appeler le médecin? Allô? Allô, papa? On ne peut pas rester comme ça sans savoir... Est-ce que ta voiture est en bas? Quoi, tu veux y aller maintenant? Tout de suite? Bah, s'il a eu une crise, maman n'est peut-être pas encore rentrée. Bah, il y a au moins Pascaline. Oh, Pascaline, elle est dans la cuisine. Oh, t'es même pas habillée. Oh, le temps de passer une robe, j'en ai pour 2 minutes. Bon. Michel, quel bon vent! Dites vite, Pascaline, est-ce que mon père est là? Ah non, monsieur n'est pas encore arrivé. Mais madame vient tout juste de rentrer. Je vais la prévenir. Si papa n'est pas là, d'où a-t-il téléphoné? Je ne sais pas, moi. Maman l'a peut-être vu? Le plus simple est encore d'appeler son bureau. Attends, hein? Voilà maman. Mon chéri! Mais quelle bonne, quelle excellente surprise! Je pensais justement à vous deux. Maman, est-ce que tu as vu papa ce soir? Mais laisse-moi t'embrasser encore. Je te demande si tu as vu papa. Mais vous aussi, Michel. Mais on ne vous voit pas si souvent, dis-donc. Réponds-moi, maman, je t'en prie, est-ce que tu as vu papa? Ton père? Mais quelle idée! Mais pourquoi voudrais-tu que je l'ai vu? Alors, je vais toujours téléphoner au bureau. Mais c'est ça, Michel, c'est ça. Faites comme chez vous. À propos de ton père, tu sais, mon petit, ça ne s'arrange pas. Hein. Il vieillit terriblement. Oui, ben, il nous a téléphoné tout à l'heure et puis brusquement... Et puis ronchon avec ça, il me fait une vie. Tiens, il suffit que je me mette au piano. Mais brusquement, à propos de piano, je suis allée à un concert ce soir. Écoute, maman, laisse-moi un peu parler, s'il te plaît. Parle, ma petite, parle. Je te disais que papa nous a appelé au téléphone et qu'il s'est interrompu au milieu de la conversation. Et puis plus rien. Il a coupé, et après? Mais non, justement, il n'a pas coupé. Bon, je crains qu'il ait eu un malaise. Un malaise? Mais pourquoi un malaise? Ta. Oh, tu sais, de son cœur, j'en suis revenue. Oh. Hein. C'est une façon de faire l'intéressant, voilà tout. Il devient même tyrannique. Tiens, pas plus tard qu'avant-hier. Oui, au bureau, ça répond pas libre. Mais tu vois bien, mon chéri, il est en communication, ni plus ni moins. Oui, il n'a pas eu la force de raccrocher. Oh, écoute, nos draps, ben, ils ont pas. Je ne sais pas si Marthe vous a expliqué. Mais oui, elle m'a expliqué, je ne vois pas ce qu'il y a de si alarmant. Je crois qu'il vaudrait mieux aller voir quand même. C'est aussi mon avis. Je ne sais pas si... Ah oui, tiens. J'ai les clés du bureau. Bon, eh ben, allez-y, les enfants. Vous reviendrez tous ensemble, hein. Oui. Vous dînez ici, naturellement, oui, hein. Oui, oui. Je vais donner des ordres à Pascaline. Ah, ta mère est un égoïste. Oh, c'est plutôt de l'inconscience. Viens, ne nous attardons pas. Papa! Papa! Tu es là, papa? Il n'y a même pas de lumière à l'intérieur. Hein? C'est fermé à clé. Mais qu'est-ce que tu attends pour ouvrir? Que tu me laisses la place. Non, attends une seconde, j'allume. Papa, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Oh, Michel, je le savais, je le sentais, regarde. Oh, il s'est blessé à la tête en tombant. Papa, c'est moi, Marthe. On va te soigner, vite, Michel, appelle un médecin. Non, ma chérie, je crois que ton père... Ouais, hélas, il n'a plus besoin de médecin. C'est la police qu'il faut appeler. Oh non, c'est pas vrai, dis. Mais pourquoi la police? La blessure à la tempe. On l'a frappée avec la plaque de verre qui sert de cendrier. Regarde, là, par terre. Elle est pleine de sang. On l'a frappée, mais qui? Pourquoi? On fait quelque chose, téléphone quand même à un docteur. Non, surtout ne touche à rien. Pas avant l'arrivée de la police, en tout cas. Hé,
Et voilà, monsieur le commissaire, c'est tout. Quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'une agression, j'ai conseillé à ma femme de ne rien toucher et je suis allé téléphoner du café qui est au bout de la rue. Vous avez parfaitement bien fait, monsieur. Genville. Genville. Michel Genville. Je suis... Enfin, j'étais le gendre de monsieur Porquerolles. Quelle heure était-il quand il vous a téléphoné? Ma femme venait de rentrer de chez son coiffeur, le temps de prendre son bain, disons entre 19h30 et 20h. 19h30, 20h. Vous avez découvert le corps vers... Bah, vous savez, on n'a pas consulté de montre. Le temps d'aller chez mes beaux-parents, 40 minutes environ. Nous sommes restés 15 à 20 minutes. Bon, enfin, en gros, ça fait une heure. Quoi. Ouais. Ensuite, de chez mes beaux-parents ici, il faut encore compter une demi-heure environ. De sorte qu'entre le moment où la communication s'est interrompue, c'est-à-dire le moment où il a frappé, oui, et celui de votre arrivée, le meurtrier a disposé d'une heure et demie environ pour s'enfuir. Oui, à peu près. La porte était fermée à clé, vous m'avez dit. Hein? Oui, en effet. J'ai dû ouvrir avec la mienne. Je travaille avec mon beau-père. Excusez-moi, je n'arrive pas à parler de lui au passé. Je travaillais avec mon beau-père. Faut-il en conclure que le meurtrier possédait la clé du bureau? Ben oui, il a utilisé celle de M. Porquerolles. Le trousseau complet a disparu. Donc, M. Porquerolles vous téléphone entre 19h30 et 20h. Oui. Bon. Au fait, êtes-vous sûr que c'est lui qui vous a parlé? Ben absolument, je connais bien sa voix. Et qu'il vous parlait d'ici? Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de doute à ce sujet. Notre ligne a été bloquée du fait qu'il n'a pas raccroché, justement. Remarquez que nous autres, nous avons raccroché, que peut-être... Dans certains centraux, c'est le demandeur qui reste toujours maître de la ligne. Même si celui qui a appelé raccroche. Ben ça doit être facile à vérifier. C'est pour ça que mon adjoint a accompagné Mme Genville chez vous. Bon, revenons à votre conversation téléphonique avec M. Porquerolles. Oui, ben, nous n'avons échangé que quelques mots. Il voulait parler à ma femme. Enfin, à sa fille, si vous préférez. Est-ce qu'il vous a paru angoissé ou seulement inquiet? Non, pas spécialement. Il avait l'air pressé. Mais j'ai mis cela sur le compte de l'impatience. Il est plutôt bourru par nature. Enfin, il était plutôt bourru. D'ailleurs, s'il avait eu des ennuis, il n'en aurait pas parlé à sa fille. Qu'est-ce que vous entendez par ennui? Si je le savais. Et à sa femme? C'est-à-dire? À sa femme, d'un ennui éventuel. En aurait-il parlé? Ah, non, certainement pas. Ma belle-mère, est-ce qu'il est convenu d'appeler une cervelle d'oiseau? Elle joue à la grande artiste, là, le piano, là, la grande musique. Enfin, bref, les affaires de son mari la laissent complètement indifférente. Et vous, vos rapports avec la victime? Excellent. Non, mais j'entends sur le plan professionnel. Ah, excellent aussi. Je m'occupe plus particulièrement de la réception des marchandises sur le port. La raison sociale de l'entreprise, Improdexo, vous résume son activité. C'est-à-dire? C'est une contraction de importation de produits exotiques. Ah, oui. Improdexo. On travaille surtout avec l'Extrême-Orient. Et Monsieur Porquerolles était votre patron? Mais il l'a fondé lui-même quand il est venu s'installer à Marseille. Oui, l'affaire est en pleine santé. Beaucoup de personnel? Dans les entrepôts du port, moi-même avec un chef d'équipe et trois hommes. Mais ici, au bureau, une secrétaire seulement. Ah. Le nom de la secrétaire? Monique Carnolès. Monique... Moi, je ne connais pas son adresse, mais on la trouvera facilement dans le fichier. Là. Carnolès. Jeune? La trentaine. Mariée? Avec un navigateur. Il y a longtemps qu'elle travaille ici? 7 à 8 ans. Et vous? 4 ans. Depuis mon mariage. Avant, j'étais écrivain à bord du Massilia. S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Qu'est-ce que c'est? L'inspecteur Guérin est au bout du fil. Ah, bon, prenez-moi l'appareil, merci. Allô, Guérin? Allô, patron. Je suis chez les Genville. J'ai simplement décroché. Pas de doute, ils sont toujours en ligne avec le bureau. Ce qui confirme que Porquerolles a bien appelé d'ici. Est-ce qu'il nous donne du même couleur du crime? Subtile déduction, Guérin, subtile déduction. Madame Genville est toujours avec toi? Oui, dans la pièce voisine. Bon. La pauvre femme, elle est complètement écroulée. Elle voudrait bien aller chez sa mère. Bon, pas d'objection. Tu la conduis et tu reviens ici d'Arda. Hein. Allô, Guérin? Je suis toujours là, patron. Madame Genville peut utiliser son téléphone. Je raccroche ici. Tout à l'heure. Au revoir. Bon, vous avez entendu, mon adjoint va conduire votre épouse de chez sa mère. Je vous remercie. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous demanderai la permission de la rejoindre. Auparavant, si vous permettez, je voudrais vous poser encore une question, puisque vous êtes le gendre de M. Porquerolles. Oui. Moi, j'aimerais passer en revue les mobiles possibles du meurtrier.
Bah, en tout cas, c'est pas le vol. Ouais. Il n'y avait jamais d'argent au bureau et à première vue, rien n'a été fouillé. Je peux vous certifier également que, en apparence, du moins, M. Porquerolles était dans son état normal lorsque je l'ai quitté. Bah, vous l'avez vu ce soir? Où? Quand? Et ici, vers 6h30. J'ai passé l'après-midi sur le port à réceptionner des boîtes de crabes japonais. Je suis venu rapporter les bordereaux. Et M. Porquerolles était seul? Monique, la secrétaire, s'en va à 6h. J'ai fait un compte-rendu à mon beau-père. Il y avait 2 caisses d'éventrées. Mais... Attendez, maintenant que vous m'y faites penser... Quoi? Bien... C'est bien, c'est peut-être moi qui attache de l'importance à ce qui n'en a pas. D'ordinaire, il exige un compte-rendu détaillé. Il est même tatillon sur ce point, surtout lorsqu'il y a des dégâts comme cette fois. Or, justement, cette fois, j'ai eu l'impression... Comment dirais-je qu'il m'a expédié. Ouais. Comme s'il attendait une visite. Non, je vous le répète, ce n'est qu'une impression. Pour être honnête, je me demande si je me laisse pas influencer. Enfin, par... prévu ou imprévu, il l'a forcément reçu, cette visite. Ouais. Tiens, qu'est-ce qui peut téléphoner au bureau à cette heure-ci? Bah, c'est peut-être ma femme. Excusez-moi. Ouais. Oui, allô? Le commissaire Paron, s'il vous plaît. Je t'écoute, mon petit gars. Je suis toujours chez les Gainville, patron. Avant de partir, Mme Gainville a voulu téléphoner à sa mère. Oui, ben alors? Pascaline, la bonne, est allée la chercher. Enfin, elle a voulu aller la chercher. Non, pourquoi elle n'était plus là? Plus là? Croyez pas si bien dire. Elle s'est suicidée. Bouddhi, oh, monsieur le commissaire, j'en suis encore tout escagassé. Et pourtant, j'en ai vu de drôles dans ma vie. Mais cette fois, bonne mère... Ouf! Il faut que je m'assoie. Mais asseyez-vous donc, Pascaline. Ah. Vous permettez que je vous appelle Pascaline? C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Eh, bah, alors, voilà. Même que cette pauvre madame peu chère, elle me disait toujours que c'est un nom qui sent le romarin. Elle a bien raison, la pauvre femme. Hein. Alors, dites-moi, comment les choses se sont-elles passées, hein? Eh bien, quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, j'ai... Non, pas si vite. Comment c'est à partir du moment où elle a appris la mort de son mari, hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rien dit, mais j'ai bien vu que la mort de monsieur, ça l'a contrariée. Oui, ah ben ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, c'est façon de parler, bon. Ah, où j'en étais? Ah oui, d'abord, elle a rien dit, mais je la sentais toute gonfle. Gonfle? Oui, elle avait envie de pleurer, quoi. Elle a essayé d'appeler quelqu'un au téléphone, je ne sais pas qui, mais ça n'a pas répondu. Alors, elle est allée s'enfermer dans sa chambre, et moi, je suis retournée dans ma cuisine. C'est pas parce que ce pauvre monsieur était mort qu'il fallait se laisser mourir de faim, pas vrai? Oui, évidemment. Surtout que j'avais fait une de ces soupes aux pistes. J'étais en train de pister le basilic quand Madame Marthe l'a appelée. Madame Gainville? Eh, Madame Marthe Gainville, sa fille. Ah bon? Elle veut parler à sa mère. Je vais frapper à la porte de la chambre. On répond pas. Et j'ouvre. Et qu'est-ce que je vois? Bonté divine! Madame, cette pauvre madame couchée sur son lit, plus pâle qu'une morte, avait dans la main le tube des machins, des trucs là qu'elle prend pour dormir. Mais le tube, vous entendez, le tube, il était complètement vide. J'ai pas mis longtemps à comprendre, vaille. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ah ben, à votre place, j'aurais appelé un médecin. Oui, mais moi j'avais Madame Marthe au bout du fil, c'est elle qui a prévenu le docteur. Ils sont arrivés presque tous en même temps. Le docteur, Madame Marthe, et puis l'autre, là... Comment vous y dites déjà, le gradé de police? L'officier de police guerre. Ouais, officier de police. Patron, me voilà. Bah, où t'es-tu passé, toi? J'arrive de la clinique où le toubib a fait transporter Madame Porquerolles. Elle est maintenant hors de danger. Ouais, j'aurais pourtant juré qu'elle était morte. Le médecin dit qu'elle a eu une double chance. D'abord de n'absorber qu'un nombre réduit de comprimés, et ensuite d'avoir été découverte si tôt. Ah oui, ça c'est grâce à vous, Pascaline. Ouais, hein? Demain, j'ai rebrûlé un cierge à Notre-Dame-la-Garde. Oui. En gros. Bon, elle a parlé, elle? Non, elle dort encore. Défense de l'interroger avant demain, après autorisation du médecin. Sa fille et son gendre sont à son chevet. Ils sont abasourdis. Ils ne comprennent pas son geste. Et vous, Pascaline? Moi? Mais vous, n'avez pas une petite idée sur les raisons de cette tentative de suicide, hein? Et le chagrin, monsieur le commissaire? Qu'est-ce que vous en faites du chagrin d'une pauvre veuve? Bah, elle était donc attachée à son mari à ce point-là? Vous m'auriez posé la question avant, j'aurais répondu non.
Ils étaient toujours en train de se chamailler, boire un oui, boire un non. Bon, ben, supposez que je voulais poser avant. Alors. Eh ben, à dire vrai, ils étaient même guère assortis. Madame, elle s'intéresse qu'à la musique, à la grande, avec les violons, les pianos et tout le tremblement. C'est une artiste. Et monsieur, lui, que Dieu ait son âme, il avait que les affaires en tête. Le pauvre monsieur. Alors, vous n'allez pas pleurer. Ça sent le brûlé, hein? Eh, c'est ma soupe qui s'attrape, je reviens tout de suite. Oh, celle-là, là. Et en dehors des recettes de cuisine, Pascaline nous a appris quelque chose? Oh, rien du tout. Sinon que Madame Porquerolles a tenté de téléphoner à quelqu'un avant de s'enfermer dans sa chambre. À sa fille, peut-être. Ah, sa fille ou à quelqu'un d'autre. Hein. Et ce serait parce qu'elle n'a pas obtenu de réponse. Ah non, oh, pas de déduction hâtive, s'il te plaît. Hein? Quoi qu'il en soit, le chagrin, si elle en a, ne semble pas un mobile suffisant pour justifier son geste. Elle a agi comme si elle se jugeait responsable de la mort de son mari. Pourtant, d'après ce qu'ont raconté les jeunes, elle ne paraissait pas inquiète lorsqu'ils sont venus la voir. Elle s'est même moquée de sa fille pour la crise cardiaque. Eh, justement, peut-être se reproche-t-elle son insouciance. Ah, s'il était mort d'une crise cardiaque, d'accord. Mais là, elle ne pouvait pas prévoir. Enfin, mais qu'est-ce que tu en sais? Moi, ce qui me chiffonne, tu vois, c'est qu'on ne saura jamais ce que Porquerolles voulait dire à sa fille. Vous croyez qu'il y a un rapport? Ah. Ou bien le meurtrier a frappé à ce moment-là, par hasard, pour ainsi dire, ou bien il a voulu empêcher le père de parler à sa fille. Et la tentative de suicide de la mère ne serait qu'une conséquence. Un motus, voilà, Pascaline. Ah ben, ça y est. 2 minutes de plus, et ma soupe, elle était fichue. Eh ben, alors, dites donc, hein. Dites, Pascaline, je voulais vous poser une question, voilà. Quand monsieur et madame Gainville sont venus ce soir, vous étiez là? C'est moi que je leur ai ouvert la porte. Ils étaient inquiets au sujet de monsieur. Ouais. Tandis que madame Porquerolles, elle trouvait normal que son mari ne soit pas encore rentré. Elle avait l'habitude, peu chère. D'ailleurs, elle venait tout juste de rentrer, elle aussi. Ah, elle est tout juste de... Oh, elle n'avait même pas eu le temps de se déshabiller. Pour un peu, elle serait arrivée en même temps que sa fille. Ouais. Et d'où venait-elle? Et la musique, monsieur le commissaire, toujours la musique. Elle rentrait du concert. Bonjour, monsieur Gainville. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Déjà au bureau de si bon matin? Oui, il faut bien expédier les affaires courantes. Ma femme est restée au chevet de sa mère. Ouais. Rien de neuf depuis cette nuit? Rien. On se perd en conjecture. Le médecin a parlé de dépression nerveuse subite liée à la brutalité du choc. C'est aussi votre avis? Ouais. Faute de mieux. À moins que vous ayez une autre explication. Mais non. Malheureusement, j'en suis réduit au même point que vous. La secrétaire n'est pas encore arrivée? Non, pas avant 9h. Mais vous permettez? Oui, je vous en prie, je vous en prie. Allô? Allô, oui, c'est moi. Et comment savez-vous? Dans les journaux, déjà? Ah non, mon vieux, je n'en sais pas plus que vous. Oui, comme d'habitude, sauf que moi, je reste au bureau. Entendu. Oui, entendu, je tâcherai de faire un saut. Oui, salut. C'est le chef d'équipe des entrepôts. Il est déjà au courant par les journaux. Si un journaliste montre le bout de son nez par ici, je le sors avec perte et fracas. Bon, alors préparez-vous à une belle corrida, car il en viendra. Et pas qu'un seul. Dites-moi, avant l'arrivée de la secrétaire, je voulais vous demander... quelles sont sur l'entreprise les conséquences de la mort de M. Porquerolles? Commercialement, il n'y en aura pas. Enfin, du moins, j'espère. Bon, qui hérite? Simon, beau-père, n'a pas fait de testament, et je crois savoir qu'il n'en a pas fait. Moitié ma femme, moitié ma belle-mère. Il n'était pas marié sous le régime de la séparation de biens? Quand mon beau-père a fondé l'affaire, il était déjà marié sous le régime de la communauté. De sorte que propriétaire en puissance de la moitié, Mme Porquerolles en devient à présent propriétaire de fait. Oui, c'est ça. Dites-moi, M. Gainville, est-ce que vous y croyez vraiment, vous, à cette tentative de suicide? Quoi, vous voulez dire que ma belle-mère aurait simulé? Pour quelle raison? Mais je ne cherche pas de raison. Je ne cherche pas de raison, je pose des questions. Tout simplement. Ah, tiens, ça doit être la secrétaire. Entrez, Monique. Oh, monsieur Gainville, je suis bien contente de vous trouver là. Oh là là, c'est épouvantable, n'est-ce pas? Oh, pardon, je vous croyais seule. Non, ça n'a pas d'importance. Voici monsieur le commissaire Parron, madame Carnolès, notre secrétaire. Bonjour, monsieur. Madame, je vois que vous êtes au courant. Hein. Oh oui. Quand avez-vous appris la nouvelle? Eh bien, ce matin, j'étais sur le point de partir quand mon mari est monté avec le journal.
Oh, moi, j'arrivais pas à y croire, monsieur. Ah, mais monsieur Cardonès ne navigue donc pas? Non, non, non. Son bateau a accosté hier soir. Monsieur Porquerolles m'avait donné la journée d'aujourd'hui. Non, je regrette, Monique, mais vous voyez dans quelle situation nous sommes. Oh. Je dois m'occuper de tout. Non, plus que jamais, j'ai besoin de vous. Oui, bien sûr, monsieur, c'est pour ça que je suis venue. Dites-moi, madame, lorsque vous êtes partie hier soir... Oui, monsieur, à 5 heures, oui, monsieur le commissaire. À 5 heures? Et vous partez assise, d'habitude? Ah oui, mais pour l'arrivée de mon mari, monsieur Porquerolles m'avait accordé une heure. Ah bon? Oui, oui, il était de très bonne humeur. Attendait-il quelqu'un? Oh, non, non, pas que je sache. Non, c'est moi qui prends les rendez-vous. Tenez, attendez, monsieur. Voilà. Tenez, voilà mon carnet. Eh bien, il y en a eu deux hier. Un le matin à 11h et l'autre à 3h. Ils sont venus? Ah oui, 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 j'étais là. Ce sont deux clients que je connais très bien. Bon, je vais toujours noter leur identité. Ah, là, je dois bien avoir fourré mon stylo quelque part. Mais... Vous permettez? Non, je vous en prie, faites donc. Allô? Hein? Bonjour, ma chérie. Comment va-t-elle? Ah, parfait. Elle pourra dire qu'elle nous a fait peur. C'est Madame Guenville? Oui, oui, elle nous donne de ses nouvelles. Allô? Allô? Non, non, je réponds à monsieur le commissaire, il est là. Quand vous aurez terminé, vous me la passerez, s'il vous plaît. Oui, il voudrait te parler. Oui, oui, je le lui ai dit, oui. Le médecin vient d'autoriser ma belle-mère à rentrer chez elle. Elle s'en tire avec un simple mal à l'estomac. Allô? Allô, ne quitte pas, je te passe, monsieur le commissaire. Merci. Bonjour, madame. Ah, oui, oui, ça vous devez être très fatigué. Dites-moi... Est-ce que Madame Porquerolles a donné les motifs? Rien du tout. Même pas un mot. Ah. Bon, tant pis. Je vous remercie, madame. Ne quittez pas, je vous repasse, monsieur Guenville. Merci. Tenez. Allô? Allô, Marthe, tu m'entends? Prenez une ambulance ou un taxi. Moi, je n'ai pas le temps. Oui, tâche de t'étendre un peu. Je te verrai à midi. Au revoir. Avec un simple mal à l'estomac, c'est quand même une sacrée chance, hein? Ah, si seulement ça pouvait lui servir de leçon. Vous savez ce que ma femme m'a dit en terminant? Non. Les seules paroles échappées à ma belle-mère ont été pour exprimer un désir. Retrouver son piano le plus tôt possible. De ne pas m'interrompre quand je suis au piano. Et il y a là, monsieur... Mais je ne veux voir personne, personne, personne. Et surtout pas ce commissaire. Et c'est pas le commissaire? Qu'on me laisse tranquille. Je suis à bout de nez. Vous dites que ce n'est pas le commissaire? Mais non, madame, c'est monsieur Stavrosi. Monsieur Stavrosi? Il est ici? Dans le petit salon, madame. Mais c'est insensé! Qu'est-ce que vous attendiez pour me le dire? Eh, madame, vous m'avez pas laissé parler. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je vais le recevoir. Ben, je vais lui dire que madame vient tout de suite. Oui, tout de suite. Oh, enfin, non, attendez. Pascaline. Oui. Comment me trouvez-vous? Ouais, madame est un peu palote, mais on ne croirait pas qu'elle a failli mourir cette nuit. Non, un peu palote. Je suis laide à faire peur. Oh, madame exagère. Ouais, passez-moi le peigne. Ouais. Merci. Et puis, dans mon sac à main, cherchez. Il doit y avoir du rouge à lèvres. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et alors, vous l'avez? Je cherche, madame. Dépêchez-vous. Inutile de presser, maman. Monsieur Stavrosi est parti. Parti? Vous pouvez nous laisser, Pascaline. Bien, madame. Tu me demandes pas pourquoi monsieur Stavrosi est parti? Je suppose qu'il était pressé. Non, il avait tout son temps. C'est moi qui l'ai prié de s'en aller. Toi? Je lui ai dit que le lendemain de la mort de mon père, il était indécent que ma mère reçoive chez elle la visite de son amant. Marthe! Mais tu es folle! Au contraire, je n'ai jamais été aussi lucide. Mais monsieur Stavrosi est un grand pianiste. J'admire son énorme talent. Non, maman, je t'en prie, ne perds pas ton temps. Mais ma petite fille, je te jure! Ce matin, tu as parlé dans ton demi-sommeil.
J'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai dit? Des paroles suffisamment claires pour qu'il ne subsiste aucun doute sur tes relations avec ce monsieur Stavrosi. Épargne-moi de te les répéter. Tu étais seule? Oui, heureusement, Michel était déjà parti. J'aurais eu trop honte. Oh, je comprends. À tes yeux, je n'ai pas d'excuse. Et pourtant, sais-tu ce qui peut se passer dans le cœur d'une femme de 45 ans? Car je n'ai que 45 ans. S'il te plaît, maman, pas de mélo. Il faut que tu saches pour essayer de comprendre. Quand j'ai connu ton père, j'avais 19 ans, il en avait 20. Il faisait son service. C'était un beau militaire. Tu es née tout de suite après notre mariage. J'ai dû abandonner mes études musicales. Ton père est entré dans les affaires. Oh, les affaires! Il n'avait que des chiffres dans sa tête, encore et toujours des chiffres. Maman, papa est mort cette nuit. Oh, ce n'est pas qu'il soit méchant. J'avais l'impression d'avoir épousé une machine à calculer. Tu étais là, toi, ma chérie, heureusement. J'y ai mis de la bonne volonté, tu sais. Ça a duré plus de 20 ans. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré Alexandre. Monsieur Stavrosi. Je l'ai entendu jouer du piano. Je dis jouer parce que je n'ai pas d'autre mot. Mais dès qu'il pose les doigts sur un clavier, plus rien n'existe. C'est une sorte de miracle. Et puis il a 20 ans de moins que toi. Tu me méprises, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas morte, moi aussi? Mais pourquoi as-tu fait ça? Il n'y avait plus rien entre ton père et moi, nous vivions comme des étrangers. Non, je veux dire, pourquoi as-tu tenté de te suicider? Enfin, c'est pas par chagrin. Je t'en supplie, ma chérie. Alors pourquoi? Madame, c'est monsieur le commissaire Parent qui veut voir madame. Oh non, 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 je ne reçois personne, personne, personne. Boudine, mais qu'est-ce qu'elle a? Une crise de nerfs, vite téléphonez au docteur Beaumont. Ah, pour être spectaculaire, la crise de nerfs a été spectaculaire. Le tout-bip est arrivé, calmant, repos complet. Enfin bref, moi, je suis reparti comme j'étais venu, sans avoir pu l'interroger. Elle le fait exprès, ma parole. Ah, ça, je l'ai cru aussi. J'ai cru aussi, mais au début. Et puis, j'ai causé avec le médecin. Il est persuadé qu'il n'y a pas du tout de simulation. Même pour la tentative de suicide? Même pas, même pas. Toujours d'après le médecin, elle aurait pris trop de risques. Qu'on la découvre 2 ou 3 heures plus tard, il ne lui restait pas beaucoup de chances de survivre. Moi, j'ai cru comprendre que c'était une exaltée, une romantique. Capable de tous les excès. Si elle a vraiment voulu se supprimer, ça complique tout. Ou ça simplifie tout, au contraire. Je vois. L'assassin poursuivi par leur mort, l'œil était dans la tombe. Pas l'assassin, Guérin, pas l'assassin, le meurtrier, car rien ne prouve que le crime a été prémédité. Le cendrier, ce serait plutôt une arme improvisée. Je vois aussi très bien. Une dispute, un mouvement de colère, et blanc. À propos, j'ai vérifié, il y avait bien hier soir un grand concert à l'Opéra. Oui. Il a commencé à 5h30 et s'est achevé un peu avant 8h. Mais rien ne prouve que Mme Porcol y soit allée. D'autre part... Monique Carnelès, oui. La secrétaire. Elle quitte le bureau à 5h au lieu de 6. Parce que son navigateur de mari débarque ce soir-là. Encore des circonstances particulières. Enfin, où veux-tu en venir? Vous ne trouvez pas que c'est troublant? Troublant... L'arrivée du mari de la secrétaire. Quoi, l'arrivée du mari? Oh, la secrétaire qui serait la maîtresse du patron. Tu lis beaucoup de romans feuilletons, toi. Ça peut avoir du bon, parfois. La preuve. Bon, la preuve. Tu as la preuve que Monique Carnelès était la maîtresse de Porquerolles? Non. Bon, alors. Non, mais c'est parce que j'en ai eu l'idée que je suis allé au renseignement sur le port. Pour connaître l'heure d'arrivée du Thalassa sur lequel Carnelès est garçon de cabine. Le bateau a accosté vers 15h. Il arrivait d'Extrême-Orient. D'Extrême-Orient. Oui. Et j'ai appris bien d'autres choses encore. Des choses qui n'étaient pas prévues au programme. Bon, bah alors tu parles, oui. Il y a 5 ans, Carnelès, de son prénom Lucien, a été compromis dans une affaire de trafic de stupéfiants. Quoi? Il a été soupçonné d'être le convoyeur de colis de drogue qu'on lui aurait remis dans certains ports orientaux. Mais t'as attendu jusqu'à maintenant pour m'annoncer ça, toi? Ah, je le gardais pour la bonne bouche. Ensuite, plus rien. Faute de preuves, il s'en est tiré blanc comme neige. Oh, celui-là, patron, j'ai pas fait exprès. Ouais. La neige, la coco, la cocaïne. Quoi. Ouais, ça va, j'ai compris. Oui, allô? Monsieur le commissaire Parent? Oui, c'est moi.
Madame Porquerolles a un amant, un pianiste, Alessandro Stavrosi. Qui est à l'appareil? Alessandro Stavrosi. Allô? Allô, qui est... Ah zut, elle a raccroché. Qu'est-ce que c'est? On vient de me donner le nom de l'amant de Madame Porquerolles. Un pianiste, paraît-il, nommé Alessandro Stavrosi. Mais c'est inespéré, ça. Une communication anonyme, évidemment. Oui, bon. Ou qui a voulu l'être. De façon de ne pas se mouiller. La place est bonne chez les Porquerolles. Oh, ce serait Pascaline. Ouais, c'est elle, j'ai reconnu sa voix. Rien qu'à sa façon de prononcer Alessandro. Alessandro Stavrosi. Ça sent l'Italie. Ça sent... Il y a des fois où la puissance de ton raisonnement m'étonne. Ah, merci, merci. Stavrosi et Carnolès. Deux messieurs que je désire avoir le plus tôt possible ici, dans mon bureau. Asseyez-vous, monsieur Carnolès. Merci. Une cigarette? Merci, je fume pas. Ah, moi, si. Donne-moi une cigarette, Garin. Voilà, patron. Merci. Monsieur Carnolès, si je vous ai convoqué... Ah, parce que vous appelez ça une convocation, vous. On fait irruption chez moi, on me ramène ici tambour battant avant que j'ai eu le temps de faire ouf. Vous n'avez tout de même pas prétendu que j'ai utilisé la force, non? Bah, vous m'avez même pas laissé le temps d'avertir ma femme. C'est que, sans doute, nous ne tenions pas ce que vous l'avertissiez. Eh oui, à quoi bon l'alarmer inutilement? Parce que si elle se faisait du souci, ce serait bien inutilement, n'est-ce pas? Bah, vous n'allez pas accuser ma femme. D'abord, elle est partie à 5 heures. Allez, mon vieux, ne vous faites pas plus bête que vous ne l'êtes. Vous savez très bien qu'il s'agit de vous. Hein? De vous et de vos antécédents. Mais... quels antécédents? Mon casier judiciaire, il est vierge. Le casier, peut-être, mais pas ta fiche à la brigade des stupéfiants. Tu saisis? Ah, ça m'aurait étonné. Parce qu'une fois, par hasard, j'ai été mêlé à une histoire... Non, par hasard est trop. Hein. Tu connaissais quand même un des trafiquants. Et après? C'est pas une raison pour me mettre dans le coup chaque fois? Eh ben, il ne tient qu'à toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Gare? Est-ce que je pourrais vous dire deux mots en particulier? C'est urgent? Ah bon, alors passons à côté. On revient tout de suite, hein. Quoi, qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Vous avez entendu? Quoi? Il a dit me mettre dans le coup. Chaque fois, oui, mais je l'ai remarqué aussi. Oui. C'est donc qu'il considère Porquerolles comme un trafiquant, lui aussi. Si c'était vrai, ça ouvrirait des horizons. Si Carnolès sait quelque chose, il ne faut pas lui laisser le temps de surprendre. Vous voyez qu'il va se mettre à table? Qu'il va se mettre à table, oui. Si on lui sert nous-mêmes le repas, ça oui. Eh bien, on va lui faire l'estomac. Voilà. Eh ben, tu vois, ça n'a pas été long. Hein? Alors, voyons, nous disions donc, monsieur Carnolès, qu'il ne tient qu'à vous de ne pas être mêlé au trafic que faisait Porquerolles. Je te demande pas mieux. Voilà. Bon, alors indiquez-nous comment vous avez appris l'existence de ce trafic. Mais je savais pas, j'étais au courant de rien. Comment l'as-tu appris? Je suis pas dans le coup, je vous dis. Bon, c'est ta femme qui t'a mis au courant? Monique? Je vous jure qu'elle sait rien. Elle sait rien du tout. Elle sait même pas que j'ai eu des ennuis dans le temps. C'était avant notre mariage. Dites, vous allez pas lui raconter tout ça? Alors, parle. Je l'ai entendu dire. Où ça? À Hong Kong. À Hong Kong, c'est à deux pas. Bah, et comme ça, à Hong Kong, par hasard, à Hong Kong, on t'a parlé de Porquerolles. Pas de Porquerolles lui-même, mais de sa maison, là, l'Improdexo. Un soir d'escale, des types sous, comme des porcs, ils ont parlé de conserve. Il y aurait eu des boîtes qui auraient contenu autre chose que de la conserve. Ouais, c'est tout? Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? J'ai gardé ça pour moi. D'abord, rien n'était sûr, hein, j'y ai pas mis le nez, moi. Que tu aies appris à Hong Kong le trafic fait par un Prodexo, ça, on peut l'admettre. Mais que ta femme travaille justement dans cette entreprise... Bah, c'est justement parce qu'elle travaille là que ça m'a frappé, sinon j'y aurais pas fait attention. Que ta femme soit l'employée de Porquerolles et que celui-ci soit justement assassiné le soir de ton débarquement... La coïncidence, c'est quand même... Ah, non, je marche plus, hein. Je veux bien être un témoin, mais pas un accusé. Oh, vous entendez? Moi, j'y suis pour rien dans cette affaire. Et toutes vos coïncidences, elles y changeront mais rien. Ne te fâche pas. Je voudrais vous y voir. Je suis régulier, moi. Je vous raconte tout ce que je sais. On t'a quand même un peu forcé la main, non? Bah, voyons. Écoute-moi. Ça t'ennuierait si on prenait tes empreintes? Empreintes? Oui. Pourquoi faire? Bah, pour être certain qu'elles ne se trouvent ni sur le cendrier... ni sur le téléphone. Oh là là. Alors là, pour ça, je suis tranquille. Prenez-les tout de suite si vous voulez. Eh ben, c'est gentil, ça. À la bonne heure. L'inspecteur Guérin va s'occuper de toi, et gentiment. C'est pas grave.
Tu attends une minute, hein? Dites, patron, vous savez bien que sur le téléphone et le cendrier, il n'y a que les empreintes de Porquerol. Ouais. Mais on en a relevé des tas d'autres dans le bureau. Il faut me comparer tout ça. Ah, ça va demander un bon bout de temps. Ça demandera le temps qu'il faudra. Vous croyez la piste bonne? On en a deux de pistes pour le moment. La piste Cardonès, avec le trafic de drogue, et Dieu sait où elle peut nous entraîner, celle-là. Puis l'autre, celle que nous suivons depuis le début, et dont je vais m'occuper tout de suite. Je suis bien fatiguée, monsieur le commissaire. Aussi vais-je m'efforcer d'être bref, madame Porquerol. Je viens vous parler d'Alexandre Stavrosi. Vous l'avez arrêté. Oh, vous vous y attendiez un peu, non? Hein? Ainsi, c'était donc ça la cause de votre tentative de suicide. Ça ne regarde que moi. Vous avez acquis tout de suite la certitude que votre amant avait tué votre mari. Mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas morte, moi aussi? Et comment l'avez-vous su? C'est lui qui vous l'a avoué? Non, je vous jure. Je ne l'ai pas revu de la soirée. Et cependant, vous n'avez pas douté un seul instant. Je n'y crois plus. Je suis sûre qu'il est innocent. Ah, et d'où vient cette nouvelle certitude? Il me l'a dit lui-même ce matin. Vous l'avez donc vu? Non. Non, il est venu ici, mais je ne l'ai pas reçu. Je lui ai téléphoné plus tard. Il m'a juré qu'il était innocent. Tandis que hier soir, quand vous lui avez téléphoné, il n'était pas chez lui. J'ai perdu la tête, j'étais comme folle. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais je ne demande pas mieux que de comprendre, madame. Je ne demande pas mieux, moi. Ainsi, par exemple, pour que, sans preuve, la culpabilité de M. Stavrosi n'ait fait à vos yeux aucun doute, c'est que vous aviez de fortes présomptions. Lesquelles? Je ne répondrai pas. Alexandre Stavrosi avait proféré des menaces contre M. Porquerol, des menaces de mort, pour vous libérer d'un époux qui vous aurait jamais accordé le divorce. Votre silence est un aveu, madame. Il y a loin des paroles aux actes, monsieur le commissaire. Enfin, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai. Pourquoi ne vous a-t-il pas accompagné au concert? Il avait à travailler. Il achève de composer un concerto pour piano et orchestre. C'est un grand, un très grand artiste. Je ne le crois pas, je ne le crois plus capable d'avoir commis une chose aussi abominable. Même par amour pour moi. Par amour pour vous ou pour votre argent? Je vous interdis. Non, excusez-moi, mais ce n'est pas vrai. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit. Non, madame, il ne l'a pas dit. Oh. Est-ce que je pourrais le voir, lui parler? Mais quand vous voudrez, madame, quand vous voudrez. Je suppose que vous êtes déjà allée chez lui. Certainement, mais je... À quelle adresse? 35 rue André Gardiès. Ah, mais... oui. Mais pourquoi me le demandez-vous? Mais parce que je ne la connaissais pas. Vous voulez dire que... Ah, mais oui, madame, vous avez très bien compris, je n'ai pas encore vu Alexandre Stavrosi. Et son adresse me sera fort utile pour le trouver. Guérin. T'es là, Guérin? Oui, patron, voilà. Ah, je parie que vous n'avez pas vu Stavrosi chez lui. Eh ben, t'as gagné. J'ai trouvé Visage de Bois. Et pour la bonne raison qu'il est là depuis une bonne vingtaine de minutes. Ah bon? Il veut vous voir personnellement. Eh ben, dis donc, si j'avais su. Quel genre du bonhomme? 25 ans environ, le cheveu long, plutôt crasseux. Ah. Le genre artiste, quoi. Un vrai poème. Je te fais entrer? Mais attends. Dis-moi d'abord, les empreintes de Cardonès. Je les ai envoyées à l'anthropométrie. J'attends une réponse. Bon, alors vas-y. Appelle-moi l'artiste. Monsieur Stavrosi, s'il vous plaît. Si. Le commissaire Parent est là. Ah, monsieur le commissaire. Je suis très content, très très content de vous trouver. Je tenais à vous voir tout de suite. Figurez-vous, il m'arrive une chose terrible, une chose impensable. Asseyez-vous. Merci. Figurez-vous que madame Porquerol s'imagine... Non, que... prénom et profession, s'il vous plaît. Stavrosi, Alessandre, pianiste. Madame Porquerol, elle est... Comment vous dire en français, elle est un peu zinzin. Et si je la laissais faire... Vos moyens d'existence. Elle joue du piano. Où ça? Et où ça? C'est que, et en ce moment, je compose un grand concerto. Ce qui signifie que vous n'avez pas d'engagement. Et non. Et c'est madame Porquerol qui vous aide? Et si elle vous l'a dit, j'aurais mauvaise grâce à nier. C'est une femme excellente. Mais là où elle est, Zazer... C'est qu'elle croit que vous avez tué son mari. Voilà. Voilà.
Pensez, une sensible comme moi, qu'elle avoue tout ça et me rend malade. Même qu'une mousse, une simple mousse écrasée, quoi, ça me ferait tourner de l'œil. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Eh bien, parce que c'est mon devoir d'honnête homme. Parce que aussi, je ne voulais pas que vous fassiez une fausse idée. Alors je suis venu, spontanément. Spontanément? Si. Après sans doute un coup de fil de Madame Porquerolles vous annonçant ma visite. Et c'est quand même spontanément, puisque je n'étais pas obligé. Je tiens à vous dire ceci. Je suis pour rien dans la mort de Monsieur Porquerolles. Voilà. Voilà. Bon, vous avez pourtant, devant Madame Porquerolles, manifesté plusieurs fois l'intention de tuer son mari. Ah, oh, vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire. En amour, on s'exalte, et puis on dit des choses divinement monstrueuses. Et puis ça faisait tant plaisir à Élise. Que vous assassiniez son mari? Et non, mais que je lui dise. J'ai aussi juré que je me tuerais si elle me quittait. Et tout le monde, il a juré des choses pareilles, et puis pas beaucoup, ils l'ont fait. Oui. Bon, alors maintenant qu'elle hérite de son mari, elle va pouvoir vous aider davantage. Pour l'argent, ne m'intéressez pas. L'argent ne vous intéresse pas. Bon, alors une dernière question, s'il vous plaît, monsieur Stavrosi. Mais je suis là pour ça. Voilà. Où étiez-vous hier soir entre 7h30 et 8h? C'est moi. J'ai travaillé toute la nuit à mon concerto. J'avais l'inspiration. Ah, l'inspiration, monsieur le commissaire. Quand ça vous prend là, ça n'a rien à faire, il faut que ça sorte. Prends la communication, Guérin. Entendu, patron. Allô? Oui. Bon, ben, monsieur Stavrosi, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous demande seulement de ne pas quitter Marseille sans m'en avertir. Je ne bouge pas. Au revoir, monsieur le commissaire. J'étais très, très, très heureux de faire votre connaissance. C'est ça. Au revoir, monsieur Stavrosi. Quel phénomène, hein? Allô? Oui. Oui, tout est noté. Merci. Qu'est-ce que c'était? La réponse de l'anthropométrie. Les empreintes de Carnalès ont été relevées sur l'accoudoir du fauteuil réservé aux visiteurs. Allons, voyons, Carnalès, soyons sérieux. Hein? Tu prétends que tu es allé au bureau vers 5h30, croyant y trouver ta femme, que Porquerolles t'a fait asseoir, que vous avez bavardé. Eh oui, et c'est pour ça qu'on a retrouvé mes empreintes sur le fauteuil. Et ensuite, tu aurais rejoint ta femme sans lui parler de cette visite. Allons, mon bonhomme, tu voudrais me faire avaler ça à moi? Après ce qui s'est passé, je tenais pas à être mêlé. Alors, admettons. Tu savais donc à 5h30 que Porquerolles allait être assassiné. Mais non, je savais pas. Vous m'embrouillez, là, avec toutes vos paroles. Ah, mais c'est toi qui t'embrouilles, mon bonhomme, c'est toi. Parce que tu mens. Mais... parce que tu ne sais plus comment te sortir de la situation dans laquelle tu t'es fourré. Et si tu continues, tu vas te retrouver avec un meurtre sur le dos. Non, vous n'allez tout de même pas vous imaginer... Bon, alors, dis la vérité. Allez, on efface tout, puis on commence, hein? Oh, vous allez pas me croire. Pourquoi pas? Bon, je veux que je t'aide. Allons-y. Tu arrives d'Extrême-Orient, où ton bateau a fait escale à Hong Kong. Le point de départ de la drogue. Tu sais que, à l'occasion de ton arrivée... ta femme quitte son travail à 5 heures. Tu la guettes sans te montrer, et dès qu'elle est sortie, tu montes voir Porquerolles. Les trafiquants de Hong Kong t'avaient peut-être chargé d'une commission? Bah, non! J'étais pas dans le coup, moi. J'ai vraiment appris le trafic par hasard. Je suis monté voir Porquerolles pour l'avertir de ce qu'on disait sur un Prodexo. Oh, comme c'est gentil, ça, comme c'est gentil. Combien? Combien lui as-tu réclamé pour le prix de ton silence? Oh. Ah, quoi, t'as voulu le faire chanter, non? Et les choses ont mal tourné, tu t'es emparé du cendrier? Mais c'est faux, archi-faux. Tout a bien tourné, au contraire. Je veux dire qu'il a fait comme s'il était au courant de rien. Il tombait des nues, pour ainsi dire. J'aurais pas su ce que je savais, et il m'a même remercié de l'avoir averti. Tu vas pas me dire que tu t'es contenté de ses remerciements? Il m'a demandé la discrétion en disant qu'il allait mener une enquête. J'ai joué le jeu, et on avait pris rendez-vous pour ce matin. Pourquoi ne m'as-tu pas raconté tout ça dès le début? Avec mes antécédents, autant demander à quelqu'un qui sait pas nager de se jeter à l'eau. Ouais. Dis-moi, où étais-tu hier soir entre 7h30 et 8h? Avec ma femme. Ah, ça me suffit pas. Avec ma femme, au restaurant, à la Gousse d'Ail, sur le Vieux-Port. Ah. Dites, monsieur le commissaire... il n'y a pas eu chantage, puisque j'ai pas touché un sou. Patron, lisez ça. Ah, écoute, alors toi, t'aurais pu attendre... Lisez, c'est le rapport d'autopsie. Bon, bah, donne-moi ça, allez. Hein.
Oh, mais ça change tout, ça. Depuis A jusqu'à Z. Et vous ne l'avez pas arrêté? Mais vous tenez pourtant l'assassin, ça crève les yeux. Oh, rien n'est moins certain, monsieur Kenville. Voyons, Carnolès a bien voulu faire chanter mon beau-père, non? Il l'a reconnu. Et comme cette histoire de trafic est de la haute fantaisie, mon beau-père l'a menacé d'avertir la police. Carnolès s'est affolé. Et c'est aussi la première idée qui m'est venue. Quoique pour le trafic de stupéfiants, je crois à Carnolès très bien renseigné. Quoi? Ah, très bien. Quoi, vous voulez pas dire que mon beau-père... Oh non, non, c'est absurde. C'est... Admettons l'absurde pour un instant. Monsieur Porquerel, aurait-il pu faire ce trafic à votre insu? Bah évidemment, puisque je me contente de réceptionner les marchandises sous leur étiquette officielle. De votre côté, vous pouviez, à l'insu de Porquerel... Non, ça, vous allez trop loin, monsieur le commissaire. Non, mais, restons dans l'absurde, nous sommes dans l'absurde, restons-y, jusqu'au bout. Voilà, supposons. Oui. Supposons que vous soyez le trafiquant. Non, ne vous offusquez pas, c'est une supposition. C'est pour la facilité du raisonnement qui va suivre, voilà. Non. Pour Carnolès, un Prodexo, c'est Porquerel. Ouais. Il lui vient même pas à l'idée que ça peut être quelqu'un d'autre. C'est donc Porquerel qu'il va faire chanter. Porquerel tombe des nues. Hein? Ça, je cite les paroles de Carnolès. Et lui demande la discrétion en déclarant qu'il va mener une enquête. Le maître chanteur, qui croit à un atermoiement, entre dans le jeu et accepte un rendez-vous pour le lendemain matin. Ouais. Pour votre beau-père, pas de doute. Du moment que le trafiquant, c'est pas lui. C'est vous? Oui, non, monsieur le commissaire, nous sommes toujours dans l'absurde, oh, n'est-ce pas? Hein? Nous y sommes toujours et vous allez voir à quel point nous y sommes. Quand Porquerolles vous a téléphoné entre 7h30 et 8h, écoutez bien, mais écoutez bien. Oui. Il était déjà mort. Pardon? Je dis que Porquerolles était mort lorsque vous avez reçu son coup de fil. Tenez. Ouais. Voici le rapport du médecin légiste. Attendez, lisez là. Lisez. Il a constaté le décès à 10h du soir. Ses conclusions sont formelles. Mais lisez donc! Là, Porquerolles était mort depuis au moins 3h. 3h, autrement dit, on l'avait tué avant 7h du soir. Mais c'est impossible. Il m'a appelé de son bureau, vous l'avez vérifié, il m'a parlé. Et vous avez reconnu sa voix? Oui! Enfin, oui, j'ai cru la reconnaître. J'étais si loin de penser à un simulateur. D'ailleurs, je me demande pourquoi, après avoir tué Porquerolles à 7h, enfin, ou avant... Oui. Le meurtrier serait retourné ensuite sur les lieux du crime pour vous téléphoner. Hein? Pourquoi? Sinon pour vous faire croire que Porquerolles était toujours vivant. Quoi, vous voulez dire qu'il s'est créé un alibi? Ah non, alors là, même pas. Et c'est là où nous dépassons les limites de l'absurde. S'il a téléphoné du bureau, il n'a forcément pas d'alibi pour ce moment-là. Hein? Ah, oui. Vous êtes bien certain de l'heure de cet appel? Mais voyons, monsieur le commissaire, ma femme était là quand le téléphone a sonné. Ah oui, et c'est fort heureux pour vous, car autrement... Autrement. Et autrement, monsieur Kenville, des esprits mal intentionnés auraient pu croire que cette communication téléphonique n'avait existé que dans votre imagination. Bon, c'est une affaire entendue, patron. Il est prouvé qu'entre 7 et 8, Carnolès était bien avec sa femme à la gousse d'ail. Mais tout de même, il a pu tuer Porquerolles avant 7 heures et ensuite téléphoner à Guetteville du restaurant en jouant le rôle de Porquerolles. Vous savez, 5 minutes d'absence sous le prétexte de se rendre au lavabo, ça passe inaperçu. Mais puisque je me tue à te répéter que l'appel est nécessairement parti du bureau de Porquerolles, puisque les deux postes sont restés en ligne, du fait que le demandeur n'a pas raccroché, personne ne pouvait appeler Kenville chez lui d'un autre poste que celui du bureau. Bon. J'aurai Carnolès de ma liste. Ah. Et si Carnolès n'est pas le meurtrier, il n'a eu aucune raison de nous mentir sur l'heure de sa visite à Porquerolles. D'accord. Bon, il est donc monté au bureau tout de suite après le départ de sa femme. D'accord. C'est-à-dire entre 5h et 5h30. Toujours d'accord? Toujours. Bon, en arrivant tout juste après 6h, Kenville doit avoir trouvé son beau-père dans tous ses états. Surtout si, comme je le crois, Porquerolles n'était pas au courant de ce trafic. Où j'y suis, patron? Porquerolles accuse son gendre, qui se voit perdu, et le tue. Ah. Non seulement Kenville assure sa sécurité... Mais il devient pratiquement le patron de l'entreprise. Ah ben oui, ça m'étonne pas. Mais ça serait trop facile, mon vieux. Kenville a un alibi, lui aussi. Sa femme était là quand le téléphone a sonné. Ah. Bon, j'aurai aussi Kenville. À y regarder de plus près, il ne reste que le pianiste. Alexandre Stavrosi?
Oui. Avec son accent, il n'aurait jamais pu imiter la voix de Porquerolles. Ouais, tout de même, patron, cette histoire d'assassin qui revient sur les lieux du crime pour téléphoner et sans que ça lui serve à quelque chose, ça me paraît un peu farfelu. Ah bah oui, mais je t'avouerai qu'à moi aussi. Ouais, et le plus farfelu dans cette affaire, c'est encore Stavrosi. D'autant plus qu'il n'a pas d'alibi, lui. Ah si, il a l'alibi des Anadjo, il était chez lui. Oh, pardon, patron, là, il y a un hic. S'il n'a pas bougé de chez lui, comment se fait-il qu'il n'ait pas répondu au téléphone quand Mme Porquerolles l'a appelé? Mais s'il était à l'autre bout de l'appartement, à taper sur son piano. Oh, son appartement, je l'ai vu, moi. Une chambre et une cuisine. On peut à peine se retourner. Il n'a pas pu ne pas entendre. Si on lui posait la question. Pourquoi il est là? Oui, je l'ai convoqué pour signer sa déposition. Il n'est peut-être pas encore parti. Vas-y. Ah, il est encore là. Monsieur Stavrosi, une minute, s'il vous plaît. Une minute. Oui, une minute. Si. On dérange beaucoup, c'est ainsi. Vous savez, monsieur le commissaire, j'ai signé le papier. Là, j'ai plus rien à ajouter. Vous prétendez toujours ne pas avoir bougé de chez vous le soir du crime? Et je ne prétends pas, je l'affirme. Et je le répéterai la tête sur le bio parce que c'est la vérité toute pure. Alors pourquoi n'avez-vous pas répondu quand Mme Porquerolles vous a appelé au téléphone? Et j'ai travaillé. J'ai travaillé, et quand je travaille... Oh, tout de même, monsieur Stavrosi, la sonnerie, dans une seule pièce. Mais laissez-moi finir. Je vous dis que quand je travaille, je ne vais pas être dérangé, sous aucun prétexte. Et pour ne pas être dérangé, même par le téléphone, je bloque la sonnerie avec un bouchon de papier. Vous bloquez la sonnerie avec un bouchon de papier? Eh oui, eh. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ce qu'il y a d'extraordinaire? Eh. Mais vous venez de me donner la solution, monsieur Stavrosi. Vous venez de me donner la solution de toute l'affaire. Je regrette, monsieur le commissaire, ma femme n'est pas là. Vous voulez la voir en particulier? Pour un tout petit renseignement, monsieur Gainville. Elle a reçu un coup de fil chez son coiffeur vers 7h, le soir du crime. Oui. Je me demandais si c'était pas son père. C'était moi. Ah, bon, c'est bien ce que je pensais. Oui, j'étais en train de un moment, je voulais savoir si elle en avait pour longtemps encore. Vous permettez? Non. Ne décrochez pas, s'il vous plaît. C'est l'inspecteur Guérin qui appelle. Ah. Et tant qu'il ne raccrochera pas, cette sonnerie va se répéter, éternellement. À moins que... à moins que je la bloque avec ce bouchon de papier. Avec un bouchon de papier, tiens. Oui, c'est une idée. Ouais. Et si je retire le bouchon de papier... Voilà. Alors maintenant, vous permettez, je décroche. Ah oui, c'est bon. Allô, Guérin? Oui, ça va, tu peux raccrocher. Et viens tout de suite, hein. Et voilà. Voilà, monsieur Gainville, comment le meurtrier s'est créé un alibi inattaquable. Le meurtrier. C'est-à-dire vous. Ah, monsieur le commissaire, vous retombez dans l'absurde. Ah, hein? Au contraire, tout devient logique, d'une logique implacable, qui vous accuse autant que des preuves matérielles. Hein? Vous avez tué votre beau-père entre 6h30 et 7h. Vous avez ensuite appelé votre femme chez son coiffeur pour vous assurer qu'elle n'arriverait pas avant vous à votre domicile. Hein? Ensuite, et alors là, le voilà, le trait de génie. Vous avez composé votre propre numéro et avez laissé le téléphone du bureau décroché. Et mes empreintes. Allons, monsieur Gainville, pas d'enfantillage. Vous avez essuyé les vôtres sur le cendrier et le combiné. Et vous y avez replacé les mains de Porquerolles. Vous éteignez, vous fermez la porte avec la clé de votre victime, et vous foncez chez vous où le téléphone sonne. Sonne toujours. Si je me trompe, vous m'interrompez. Ah non, je m'en regarderai bien, c'est trop intéressant. Alors, je continue. Vous arrivez ici le premier, vous bloquez la sonnerie. Votre femme arrive à son tour, vous attendez qu'elle soit occupée, en l'occurrence qu'elle prenne son bain, alors vous débloquez la sonnerie. Et en effet, le téléphone sonne comme s'il s'agissait d'un appel normal. C'est même votre femme qui vous crie de répondre. Vous décrochez et vous jouez votre petite comédie, car à l'autre bout du fil, il n'y a personne. Personne d'autre que le cadavre de Porquerolles. Vous ne m'arrêtez toujours pas? Alors c'est moi qui vous arrête, Michel Gainville. Je vous arrête pour trafic de stupéfiants et homicide volontaire sur la personne de M. Porquerolles. Vous ne riez plus? Moi, j'ai plus envie.
Thank you.